Partout où l'hydrogène est en compétition avec l'électricité, c'est un vecteur énergétique qui a un moins bon rendement que l'électricité. Dans les transports, son rendement est 4 fois plus faible, puisque si vous faites de l'hydrogène avec de l'électricité, en général c'est comme ça qu'on entend le faire, vous partez de l'électricité pour faire l'hydrogène, vous perdez 30 à 40% au moment de l'électrolyse, vous perdez 20% au moment de la logistique, c'est-à-dire du compression, stockage, etc. Et vous reperdez la moitié dans la pile à combustible du véhicule pour refaire de l'électricité qui va aux roues. Donc en gros, vous avez perdu les 3/4 de l'énergie en chemin par rapport à un système où vous auriez directement utilisé l'électricité pour la mettre dans les roues. Donc personnellement, moi, l'hydrogène dans les transports, je ne vois pas l'intérêt. Alors quant à l'aviation, une blague que je fais souvent est de dire l'avion à hydrogène, ça existe déjà, ça s'appelle la fusée Ariane, c'est pas le même prix et c'est pas le même coût, et je veux bien parier toutes mes économies avec qui veut que je mourrai sans avoir vu d'aviation commerciale à hydrogène. L'hydrogène est un matériau qui a une très forte densité par unité de poids, c'est pour ça qu'on l'utilise dans le spatial, où le but du jeu d'un lanceur, c'est de s'arracher à la gravitation terrestre. Par contre, il a une très très mauvaise densité énergétique par unité de volume. Ce qui veut dire que pour un avion qui est essentiellement un réservoir de kérosène volant, avec l'hydrogène, vous aurez vraiment un énorme réservoir volant avec accessoirement 3 passagers. Donc ça sera un coût totalement prohibitif. Donc l'hydrogène, ça fait rêver quelques personnes ici et là qui pensent que la vie sans avion sera un drame absolu. Mais à part ça, encore une fois, moi, j'y crois pas du tout.